Now I call on France Liberties. Parmi les situations qui recueillent l'attention du Conseil, certains perdront depuis des dizaines d'années sans qu'aucune solution n'y soit apportée. Ainsi, France Liberté fait part une fois de plus de sa préoccupation concernant la situation des prisonniers politiques sahraouis emprisonnés en dehors de leur territoire du Sahara occidental. La population sahraoui vit depuis de nombreuses années sous l'occupation illégale du Royaume du Maroc, où les individus tels que les défenseurs des droits de l'homme sont l'objet de répression sous couvert des lois, comme le cas des prisonniers politiques sahraouis de Gdémizik, emprisonnés après arbitrairement depuis 7 ans et rejugés légalement en juillet dernier, ainsi que de nombreuses autres victimes de répression contre les rassemblements pacifiques revendiquant le droit inaliénable à l'autodétermination du peuple sahraoui. Nous tenons à signaler que ces prisonniers politiques sahraouis ont été transférés et dispersés le 16 septembre dernier dans différentes prisons marocaines par la force et contre leur gré. À cet égard, nous prions ce Conseil de mettre en action tous les arguments nécessaires pour enquêter sur toutes les allégations de torture et les lourdes peines prononcées sans preuve. Notre désir le plus profond est d'obtenir la présence d'une commission permanente sur le terrain pour faire respecter les droits de l'homme dans les territoires non autonomes du Sahara occidental. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Now I call on the Human Rights Now.